Elle prend place là, dans le ranch président qui est dans le Croix des Bouquets. Là, il y a une chaîne réception. Donc, nous sommes capables d'espérer toujours parce que tout le bagage est déjà sur place. Donc, tout invité est déjà dans place. Yo. Donc, tout technicien est déjà bien préparé. Caméraman est là avec le jeu fixé sur le public là. Donc, nous avons une caméra de Yoa, Captain Le Chef d'État apparaît pour permettre nous vivre, pour permettre nous voir. Que Kijan Nosta va commencer là, donc avec Marine Nosta et Parine Nosta Bokoteli, avec tous les témoins et plusieurs parents de jeunes mariés. Donc, nous sommes dans une caméra de nous, une caméra en dentro, enfin, nous avons une idée de que salle là déjà bien remplie. Donc, tu as l'air comme ça, paraître, couple apparaître là. Donc, nous avons déjà connu parce que cloche yo pral prend chaîne et que c'est tout pays à cloche yo pral film débordé la machine a klaxonné pas gen ti difé en l'air. Donc c'est une journée que tout le monde à la ronde bade tap tan journée jodi a, ça fait la joie dans que tout le monde à la ronde bade. Merci Willio. Ajoutons à ces commentaires que 40 années ont passé depuis le jour faste de la consécration de la basilique Notre-Dame. Durant ces 4 décennies, le temps et pourquoi pas les perturbations atmosphériques, disons-le, les perturbations inexorablement ont fait leur œuvre, creusant des rides profondes au visage de cette basilique, au visage de notre église métropolitaine, la mutilant ça et là, dévastant ses admirables verrières. Et donc, semblait que ça va prendre temps que le président AVPIA, ensemble avec fiancé Mme Michelle Bennett, semblait qu'il n'y a pas paraître là dans la cathédrale. Mesdames, Messieurs, les sons des sirènes vous parviennent peut-être sur votre poste. Et ici, vous avez une vue de l'extérieur de la capitale, de la cathédrale, pardon. Et voilà le moment, le grand moment arrivé. Vous entendez les sirènes du cortège qui arrivent. La première voiture en tête du cortège arrive devant la basilique Notre-Dame pour ce grand jour du 27 mai 1980, ce jour qui va marquer les annales du peuple haïtien, et c'est maintenant l'arrivée du cortège présidentiel. Donc, suivant le protocole, le chef de l'État arrive en premier lieu accompagné de sa mère, qui est aussi sa marraine. En second lieu, arrivera dans quelques instants Mme Michelle Bennett au bras de M. Edner Brutus. Oui, voilà ce que prévoit le protocole. Pour le moment, le chef de l'État qui descend de sa voiture et qui est accompagné de Mme François Duvalier, la première dame de la République, qui est d'ailleurs sa marraine. Ces deux personnalités qui font leur arrivée à la cathédrale de Port-au-Prince. Une minute après, suivant le protocole, viendront ici Mme Michelle Bennett, qui sera, elle, dans les bras de M. Edner Brutus, ex-secrétaire d'État des Affaires étrangères, d'ailleurs, qui est le parrain. Le chef de l'État et la première dame de la République viennent donc renforcer le groupe composant déjà le cortège nuptial qui se trouvait à l'extérieur de l'église, sous la grande voûte mise en place, la grande coupole qui a été instaurée juste en avant de la cathédrale, afin d'apporter. Voilà donc, cette minute est écoulée. Voilà donc Mme Michelle Bennett qui descend pour le moment de sa voiture et qui est accompagnée de l'ex-chancelier, M. Edner Brutus. Mme Michelle Bennett, que vous allez revoir encore sur le petit écran, évidemment, qui est pour le moment en arrière-plan, vous allez la revoir sur le petit écran, va faire son entrée avec le président de la République à l'intérieur de l'église. Pour le moment, les honneurs militaires. Voilà, et le cortège se forme. En avant, c'est maintenant devant la cathédrale, le curé de la cathédrale métropolitaine de Port-au-Prince, et le monseigneur Jean-Noël, va accueillir le couple présidentiel. Le cortège se forme en premier plan. Si nous avons gardé à côté fiancé chef d'État, nous avons chef protocole là, M. Yves Massillon, donc qui est à droite, nous sommes c'est
ancien chancelier haïtien, c'est monsieur Edner Brutus. Après nous autres général brigade là, c'est général Gracia Jacques. Donc quand on a regardé Céline, on a regardé sur écran là qui a entré et s'entendait à toute assistance là, tout invité à mettre au debout puis au été chapeau devant couple là. Donc n'a regardé là donc qui est paroisse là, c'est Père Jean-Noël qui a conduit. Donc non regardé non seulement nous général Gracia Jacques et puis derrière nous président VPIA qui n'a mais maman ni madame première dame république là qui en même temps marraine nos là. Donc on croit tout le monde qu'on y a campé pour saluer couple là. Apportons quelques précisions. La mariée porte une robe organza avec un magnifique bouquet de mugues. Sa coiffure a été réalisée par Julio Prisca pour Carita de l'Institut de beauté de Paris. Splendide, rayonnante, la mariée au bras du parrain de noces. Thank you.